aujourd'hui, nous allons rencontrer Jean-Michel Casse, qui est propriétaire du château Lingebage. Pour comprendre l'appellation Pauillac, on ne vous offre rien de moins que l'un de ses ambassadeurs les plus prestigieux. On a rencontré jusqu'à présent des artisans, des magiciens, mais encore jamais de grands hommes d'État dans le monde du vin. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour monsieur. Bien. Merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue à Lingebage. On vous suit. Allez. Merci. Merci de nous recevoir ici à Bages, chez vous, dans le domaine familial. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire revivre, en fait, Bages ? Bah, écoutez, j'y avais pas pensé, pour tout vous dire. C'est un village que j'ai connu très bien quand j'étais petit, puisque j'y ai passé beaucoup de temps à courir dans les petites rues. Mais il avait été abandonné, quoi. Au fil des générations, les gens étaient partis, il n'y avait plus personne, les maisons étaient en ruine. Et lorsque les gens partaient, ils se tournaient vers mon grand-père ou mon père ou moi pour nous vendre les quelques pieds de vigne qui leur restaient. Et puis, ils nous disaient toujours, mais il faudra me prendre la maison avec. Alors, on prenait la maison. Tout ce centre du village était abandonné. On a tout reconstitué. Maintenant, c'est un ensemble qui fonctionne bien, où l'ambition que nous avons est de donner la possibilité à des touristes qui visitent la région de venir en un lieu où ils pourront rencontrer des gens du pays. À une époque où les vins de Bordeaux sont un petit peu plus difficiles à comprendre par rapport aux vins du Nouveau Monde, vous avez très tôt su parler de Bordeaux, de Pauillac et de Lingebage à l'étranger, et notamment en Chine. Je dois dire que la première fois que j'y suis allé avec du vin pour faire goûter aux gens, je suis reparti assez pessimiste. Quelques années plus tard, il y a eu cette fameuse émission télévisée où on a expliqué que le vin rouge était bon pour la santé. Les Chinois étant très conscients des problèmes de santé, tout d'un coup, ils ont vu dans le vin un médicament formidable qui allait leur donner toutes les... Le French paradoxe. Ça, c'était important. Pourquoi avez-vous accroché la citation de Pasteur ? Parce que c'est, la citation de Pasteur, elle est archi connue. Oui. Et ce qui m'a plu dans ce cas, c'est un ami qui me l'a offerte, c'est un protège-cahier qu'on distribuait dans les écoles autrefois. C'est ça qui est intéressant. La citation elle-même, elle est hyper connue. Oui. Mais qu'en effet, qu'il y a eu une époque où on en faisait des protège-cahiers, ça, c'est quand même pas mal. Ça a changé. Oui. C'est interdit maintenant. Ah, vous parliez de la Chine tout à l'heure. Oui. Moi, je vais vous parler du Japon. Oui. Ça vous fait quoi de trouver votre vin dans le manga Les Gouttes de Dieu ? Oui, d'abord, ça a été une surprise, et une bonne surprise. Et puis, j'ai fait leur connaissance parce qu'un jour, ici, au café, est passée la dessinatrice de ce manga qu'on m'a présenté. Et ensuite, par un ami japonais qui habite Bordeaux, on a eu l'occasion de les inviter à venir participer, d'inviter les auteurs, à ce moment-là, le frère et la sœur, les inviter à venir participer au marathon du Médoc. Ils ont passé 2 jours avec nous ici. Donc, ils sont venus ici et j'ai découvert les traductions françaises de leur manga. Mais c'est très bien fait, ça apprend vraiment. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est que c'est très bien fait. C'est très pertinent. Très bien fait. D'abord, les dessins sont d'une fidélité absolue. C'est vraiment très, très bien dessiné. Et puis, c'est un côté didactique qui prend les choses à la base, mais qui explique intelligemment ce qu'est le vin, et c'est remarquablement bien fait. Nous, ça nous a beaucoup appris, en venant ici, ouais. Mais on a en fait envie de demander directement à vous, et non pas à un auteur, et à vous, Pauillac. Ici, nous sommes sur l'appellation Pauillac. Absolument. Qu'est-ce que doit avoir typiquement un Pauillac ? Qu'est-ce qu'on doit avoir dans un verre de Pauillac ? Avant de parler de Lingebage. Bon, d'abord, Pauillac, c'est la caractéristique principale, c'est que c'est le royaume du Cabernet Sauvignon. Vous savez qu'à Bordeaux, contrairement à ce qu'on croit quelquefois, c'est quand même le Merlot qui est le cépage dominant. Ici, c'est le contraire. À Pauillac, à Saint-Julien et à Saint-Estèphe, mais surtout à Pauillac, c'est le Cabernet Sauvignon. La plupart des grands vignobles ont un pourcentage écrasant de Cabernet Sauvignon. Lingebage, c'est 75%. Et Merlot, le reste ? Merlot, 15%. Cabernet Franc, 10%. Mouton Rothschild, c'est 75 ou 80%, Pichon, pareil. Donc, c'est vraiment le lieu où le Cabernet Sauvignon trouve sa plus belle expression. Pourquoi ? J'en sais rien. Le terroir. Mais c'est comme ça. Oui, bien sûr. Alors, quels sont les éléments du terroir qui sont favorables à ça ? Je suis incapable de l'expliquer. Personne ne sait. Mais... Par exemple, pour nous, vous savez... Très souvent, vous rencontrez des personnes qui se disent très connaisseurs et qui vont vous dire « Ah, moi, je préfère le Pauillac ». Vous serez capable, vous ? Quelles sont les grandes différences entre Pauillac et Saint-Julien ? Je ne suis pas un expert.
Les Pauillac ont une structure tannique extrêmement puissante qui est due justement à cette présence prédominante de Cabernet Sauvignon. Mais cette structure tannique est alliée à une élégance. Alors ça, définir l'élégance et la complexité, c'est pas facile, ce sont des mots passe-partout un petit peu. Mais il y a quand même, quand on les goûte, on sent que ça existe, ça. C'est, ça n'a pas de rusticité. Saint-Julien est peut-être plus sur la finesse, si vous voulez, et moins sur le corset. Et Saint-Estèphe, au contraire, qui a des sols un petit peu plus, un peu plus argileux, un peu plus humides, et peut-être un peu plus sur le corset, la robustesse. Mais vous savez, c'est des impressions globales, d'ensemble. Margaux a un terrain un peu plus sableux, mais qui est de grande qualité aussi, donc il fait des vins fins et délicats. Pauillac, pour moi, c'est quand même... Bon, je suis pauillacais, donc je suis très en parti chauvin. Pris. Total, chauvin à bloc. C'est quand même le vin le plus complet. C'est celui qui a la puissance, le corps, la densité, mais en même temps l'élégance, la finesse. Il a tout, quoi. Une question difficile sur une, sur une vie d'une quarantaine d'années d'expérience, de dégustation. Quelle est la meilleure bouteille ou la plus grande émotion? La plus grande. Les deux plus grandes bouteilles que vous ayez dégustées. Je ne peux pas répondre à ça. J'ai eu beaucoup de grandes émotions. Je peux me souvenir de quelques-unes. Mais d'abord, la grande bouteille, il faut qu'elle soit très bonne dans la bouteille, mais il faut aussi la boire avec des gens qui s'y prêtent. C'est-à-dire qu'une grande bouteille bue tout seul, c'est pas une grande bouteille. Une grande bouteille bue avec des gens qui ne s'intéressent pas au vin, c'est pas une grande bouteille. Une grande bouteille bue avec des amis qui... Et là, ça peut amener des émotions. Alors je vais vous en citer quelques-unes, si vous voulez, pas plus tard qu'avant-hier. On a fait une dégustation verticale, comme on dit, où on a bu tous les Lynchbages de 1959 à maintenant. En 2006, il y avait 38 millésimes, je crois. On a passé la journée, pratiquement, enfin, une grande partie de la journée. Mais là-dedans, il y en a eu une ou deux qui nous ont paru vraiment sortis du lot. Les 89, pour moi, c'était la perfection, c'était vraiment formidable. Et les 59 aussi. Des années en neuf, tiens, la prochaine, c'est maintenant. J'ai le souvenir d'un Palmer 61, qui est connu, que c'est une grande bouteille, mais j'ai le souvenir d'avoir bu un jour avec un ami anglais, William Bolter, à Bordeaux, il y a bien 20 ans de ça, mais j'en ai encore le souvenir. C'est des choses... Un 66, Léoville Barton, dont j'ai un grand souvenir aussi. Parce qu'on l'a bu dans des bonnes conditions, oui, que le vin était génial, qu'on en a parlé. On s'est arrêté de discuter d'autres choses, on a parlé du vin. Bah, écoutez, ça me ferait plaisir si vous avez un moment. Jean-Charles, mon fils, est là. Et il pourrait vous faire visiter nos installations. D'accord. Et oui. Nous sommes en train de vinifier la dernière vendange de... 2009. La nouvelle année du siècle. Ah. Non, alors là, on rentre dans le grand chai à barrique. Là, on a 2000 barriques en tout. Les vins, ici, sont élevés pendant 12 à 15 mois. Ce qui est incroyable, c'est qu'on sent le parfum qui se dégage du bois neuf. On a en tout 6 à 7 tonneliers différents. Et l'idée pour nous, c'est d'ajouter une certaine note de complexité, puisque chaque tonnelier a des particularités, a des notes, et on cherche à avoir ainsi quelque chose d'harmonieux et qui se fonde très bien, et un bois qui soit fondu et pas dominant sur le vin. Alors nous voilà dans le vieux cuvier, qui est un cuvier qui date du 19e, qui a été conçu par un ingénieur qui s'appelait Skavinsky. Et vous en êtes servi jusqu'à... Dernière récolte en 1975. C'est un chai qui a été construit aux alentours de 1850. Et aujourd'hui, nous sommes la seule propriété qui a conservé un chai Skavinsky dans l'état vraiment original. Après tant d'explications, je vous propose d'aller déguster. Enfin, un verre de Lynchbage. On est installé, nous sommes dans la cuisine de vendange. C'est l'occasion aussi de déguster nos vins dans un cadre très, très sympathique, désacralisé un peu. Et c'est
toujours très agréable. Là, vous avez décanté ce vin, donc c'est un linge-bâche 2001. C'est un 2001, oui. Ça sert à quoi? Pour les vins vieux. La décantation a pour effet d'évacuer, d'éliminer un peu ce dépôt. Et pour les vins jeunes, si vous voulez, c'est une autre vertu qui est vraiment les ouvrir un peu, de leur aider à s'aérer et à prendre de l'ampleur. En arôme, en famille aromatique, dans un Pauillac en général et un linge-bâche en particulier. Qu'est-ce qu'on retrouve au nez? Avant tout, c'est d'abord, je trouve que les vins qu'on fait ici sont des vins à base de Cabernet Sauvignon, donc qui ont une certaine structure, donc une structure tannique, qui ont des épaules, qui sont puissants et qui, particulièrement à linge-bâche, ont ce côté hédoniste. Ce sont des vins généreux, ce sont des vins opulents. Donc il y a une richesse dans les vins qu'on fait ici qui est très agréable et apprécié. Et je trouve que dans la famille aromatique, on est sur des arômes de fruits noirs, bien mûrs, de mûrs, de cassis. Il y a une complexité qui vient aussi de l'élevage en barrique, avec des notes toastées, légèrement vanillées. Et on a surtout ce volume, cette ampleur en bouche qui est intéressante, et cette finale qui est très longue et caractéristique des vins produits avec le Cabernet Sauvignon. En tout cas, on aura appris, Delphine, qu'il y a vraiment une différence entre un vin qui n'est pas décanté, sorti de bouteille, et un vin en carafe. La carafe est très importante, la température de dégustation est très importante aussi. Parce que sortir, on a tendance souvent à dire que les vins doivent être chambrés, mais à l'époque où les vins étaient chambrés, les températures des chambres n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut faire attention à ça et sortir les vins à 16-17 degrés, c'est la bonne température. Enfin voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser continuer votre déjeuner et à boire ce vin. Vous allez réceptionner vos raisins qui arrivent. Et je vais aller m'assurer que les bennes continuent d'arriver. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. On sait maintenant que dans le Médoc, on est accueilli de manière chaleureuse, avec beaucoup de générosité. Toujours avec plaisir. De génération en génération. J'ai pas travaillé sur la suivante encore. Ah bon? Ça va venir. Peut-être.